puis les poser là, pendant la période là, qui va être à la fin. Vous pouvez aussi écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat. Puis moi, dans ce cas-là, là, je vais poser les questions à Jean-Philippe au début de la période de questions. Si vous écrivez vos questions dans le chat, si vous êtes capable de mettre le numéro de la page aussi, si jamais on ne pose pas la question sur le champ, on pourra savoir exactement là, à quelle page là, votre question a rapport. Je vais inviter Jean-Philippe à partager son écran. Je vais enlever, départager en fait la mienne. Puis, je ne sais pas, stop share. OK, c'est bon. Puis, Jean-Philippe va nous partager son écran. Il va afficher le code de pratique pour que tout le monde puisse le voir. Puis, on va le parcourir tout le monde ensemble. Puis, c'est ça, Jean-Philippe va nous expliquer un peu les nouveautés. Bon, je vois le piton, moi je vois le recording, là, fait que, il y en a qui se posaient la question si on enregistrait, je pense que ça enregistre. Puis en effet, on entend quelqu'un, là, mais j'ai l'impression moi que c'est un téléphone. Je ne sais pas s'il y a un téléphone qui est capable de se mettre sur mute. Ou... Parce que ça fait quand même pas mal de son. Ah, là c'est silence radio. Parfait, merci. Parfait, fait que je vais partager mon écran. Puis, moi, je vais enlever ma face de là pour pas tirer trop de jus non plus. Fait que vous ne me verrez plus. Si je suis capable de l'enlever. Puis, partager mon écran. En affichage, mode plein écran. Est-ce que tout le monde m'entend puis voit la page? Oui, c'est parfait, Jean-Philippe. Bon. Fait que c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe Jolin, producteur de Lechev dans Bellechasse. Et j'ai fait partie du comité d'élaboration de ce code-là. Puis j'ai pas levé la main pour rien pour ça. Là. C'est quelqu'un qui, par des connaissances, qui m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait. Puis une des principales choses qu'il avait besoin, c'est quelqu'un qui parlait en anglais. Fait que moi, ça m'intéressait, puis j'avais la capacité aussi d'assister à toutes les rencontres qui étaient toutes en anglais tout le temps. Fait que c'est pour ça que je me suis ramassé là. On a commencé ça en 2018. On a eu des rencontres un peu partout, par coup de deux, trois jours, des fois à Québec, à Montréal, à Toronto, avec du monde super intéressant. Ça a commencé par une revue des... Ben, il y a eu un sondage d'abord là, sur les principaux sujets dont le monde avait des questionnements par rapport au code, au bien-être des animaux, les chèvres en particulier. Après ça, il y a une revue des études scientifiques parce que dans notre comité, on a des producteurs, comme vous pouvez voir, de partout au Canada, de mohair, de boar, de race aviande et de race laitière. On a des vétérinaires, du monde qui représente aussi les acheteurs, les transformateurs. Donc, on avait des auditeurs là, qui étaient là juste pour assister, dont Saputo, Gailey, des représentants d'eux autres là, qui étaient là aussi presque à chacune de nos réunions. Et... le comité scientifique était composé de différents docteurs là, canadiens, mais aussi l'international, dont une madame de Nouvelle-Zélande. En tout cas, tout du monde très, très calé en chef particulièrement. Puis les sujets chauds là, qui étaient priorisés, en fait, ça touche absolument tout, là, mais c'était surtout la prise en charge de fin de vie, l'euthanasie, les boiteries, la santé des chevreaux, les bébés, les interventions douloureuses, les espaces alloués, les comportements naturels. Donc, on va passer un peu par-dessus tout ça. Ça va aller assez vite. Le document est très, très gros. J'espère que vous allez avoir le temps de le survoler. Lire au complet, c'est presque impossible, mais survoler, puis prenez le temps de regarder les points qui vous inquiètent ou qui vous intéressent. C'est pas parfait. C'est pour ça que c'est en période de comment on disait ça déjà la période publique, fait que tout le monde peut aller regarder le document et émettre ses commentaires, ses questions
Tout ça va être pris à travers le procédé là, sur la page Internet. Puis tous les commentaires et questions vont être revisés par nous, le comité, dans les prochains mois, là, dès que cette période-là va être finie. Et puis, faut aussi je voulais juste vous dire rapidement aussi ce que c'est un peu le Conseil national pour les soins des animaux d'élevage, parce que moi, avant d'embarquer là-dessus, je savais même pas c'était quoi non plus. En fait, ça existe depuis assez longtemps, puis il existe un code pour chacun des types d'élevage, aussi pour le transport des animaux. C'est des codes sur les pratiques, là, des exigences, mais des recommandations aussi. Celui de la chèvre, comme Caroline a dit, la version précédente était de 2003. Et c'est ça, ben, c'est des comités qui sont élaborés pour chaque type d'élevage, puis qui sont remis à jour à chaque 10-15 ans, comme on fait pour la chèvre ici en ce moment. C'est là qu'il faut aller pour émettre ses commentaires quand vous aurez le temps de passer à travers. Parce qu'aujourd'hui, on fait juste en discuter. Les questions qu'on pose puis les commentaires qu'on émet aujourd'hui ne seront pas prises en compte là, pour le procédé officiel. Bon, fait qu'on va y aller dans le gros, dans le vif du sujet. On va passer le document. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai surligné les trucs que je trouvais plus intéressants ou plus importants de mentionner pour qu'on en discute un petit peu. Puis après ça, ben, c'est ça, les points les plus chauds un peu. Dans l'introduction, rapidement, le code contient des exigences, des pratiques recommandées. Les exigences sont considérées comme reflétant les pratiques essentielles à la prestation au maintien du soin des animaux, des manipulations responsables. Puis les exigences sont souvent axées sur les animaux puisqu'elles visent directement le bien-être animal et qu'elles peuvent appliquer un large éventail de systèmes de production. Puis les pratiques recommandées encouragent l'amélioration. Ça, donc, ça encourage tout ce qui est dans les sections recommandées n'est pas vraiment une exigence, mais plutôt un encouragement, si on veut s'améliorer, vers les bonnes pratiques. Et puis, c'est important de... Je voulais mentionner là, que le code, les partenaires du code, c'est les organisations de l'élevage, dans les élevages de chèvres en ce moment, du code qu'on parle, mais aussi il y a des membres associés du SN, du Conseil canadien, qui sont toutes sortes d'industries qui ont des liens à l'élevage ou les produits de l'élevage. Donc, si vous fouillez un peu sur le site, vous allez voir que des membres associés, c'est des membres comme les restaurants McDonald's du Canada, Sobeys, Cargill, Agropur, Saputo, Gailey. Donc, c'est tout du monde qui font... pas partie du processus, mais qui sont au courant du processus, puis qui endossent ce processus-là. C'est pas... Il y a certaines provinces canadiennes aussi qui utilisent les codes dans leur loi sur le bien-être animal. Puis les membres associés, ben c'est ça, endossent ce qui se fait là-dessus. Fait que c'est une référence, c'est pas, ça n'a pas vraiment force de loi partout sur tous les cas. Mais c'est quand même une bonne assurance que si on se réfère à ce code-là dans nos pratiques de tous les jours, on a, c'est comme un peu un backup. Là. On devrait être, on devrait pas se faire prendre dans quelconque situation malheureuse. Donc, le code pour les chèvres n'est pas censé décrire toutes les pratiques de production ou de gestion pertinentes à chaque stade de production. Toute personne qui construit ou modifie des installations, qui assume la gestion d'une ferme caprine existante, doit respecter les exigences locales, provinciales, territoriales, fédérales. Mais c'est important d'être au fait de ce code-là aussi, c'est ça, pour être un peu à jour. Ça commence. Les premières notes que j'ai prises, c'est les notes au niveau des logements et des manipulations. Donc, les chèvres doivent avoir accès, c'est une exigence, accès à un abri.
Un abri ou un bâtiment doit être propre et sec. Un abri, on considère aussi les abris comme les abris naturels. C'est surtout pour les élevages dehors, là, dans l'Ouest surtout. Environnement, bâtiment, ça tient en compte les températures aussi. C'est rien de nouveau, d'extraordinaire. Une bonne ventilation, c'est tous des trucs qu'on connaît assez bien. Au niveau des exigences, les installations pour les chèvres doivent avoir un système de ventilation fonctionnel pour apporter de l'air frais et évacuer l'humidité. Donc, les bâtiments trop étanches où il y a trop de condensation, ça pourrait causer problème pour le bien-être de l'animal. Et puis, on parle aussi des niveaux d'ammoniac qui devraient pas être supérieurs à 25 ppm. Il y a moyen de calculer ça avec un petit bidule. On parlait que c'était un moyen facile, c'était pour le savoir si on était élevé, c'était quand on rentre dans un bâtiment puis on le sent tout de suite ou ça nous chauffe les yeux, ben il y a de fortes chances que ça soit trop élevé. Les éclairages, c'est rien de spécial. Au niveau des conceptions des enclos des bâtiments, ben la règle générale, c'est que les animaux puissent pas se blesser ou se faire mal ou tomber malade ou être piégés. Donc, que ce soit pour les barrières ou pour les types de matériaux utilisés. Les chèvres logées individuellement doivent pouvoir voir et entendre leurs congénères ou d'autres animaux d'élevage. Donc, ne devraient pas être en isolement complet là, dans un cabanon ou dans un garde-robe. Certains m'ont déjà posé la question sur les espaces minimales, la surface minimale par chèvre. Historiquement, on connaît tout pas mal la règle du 15 pieds carrés. Donc, pour les femelles laitières, ça reste le minimum. Comme y a pas d'inspecteur pour ça. Comme, tu sais, depuis 2003, ce code-là existe puis c'était la même norme. Il n'y a jamais personne qui est venu vérifier si vous avez 15 pieds carrés dans votre étable par chèvre. Par contre, si jamais il y a une plainte pour dire qu'il y a un overcrowd, un surentassement dans votre ferme, puis quelqu'un fait une inspection au niveau Canada pour le bien-être animal, ben il pourrait se fier à cette règle-là puis dire si oui ou non vous êtes surentassé dans votre étable. Puis comme le code couvre toutes les autres type de chèvre aussi. Donc, il y a des espacements pour les femelles Angora, pour les miniatures, pour les chevreaux pour la viande, les chèvres de boucherie aussi. Tout ça, tout le code au complet là, et ce tableau-là aussi qui était ben, se réfère sur différents études scientifiques à travers le monde. Fait que, puis pour l'avoir vu pas mal tout. L'ébauche de ça du début à ce que ça en est aujourd'hui, 15 étant le minimum à travers le monde. Là. Il y a plusieurs endroits dans le monde où ailleurs, pas loin ou plus loin, où les minimums sont beaucoup plus élevés que ça. Donc, on a réussi. Ben, on a réussi. Pour nous, les éleveurs, c'était 15 faisait beaucoup de sens. Pour certains des scientifiques sur le comité, 15, c'était pas assez, mais bon, on s'est tout le monde entendu pour garder le 15 pieds carrés. Si des comportements d'entassement sont observés, il faut agir rapidement. Donc, c'est une règle assez simple, mais ça fait partie des exigences. Conception des mangeoires. Grosso modo, c'est un peu le bon sens qu'on connaît tous. Si on soigne un RTM ou un aliment dont toutes les chèvres doivent se nourrir simultanément, ben on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de chèvres qui soient pas capables de manger. Si on donne du grain ou un RTM, il faut que tout le monde soit capable de manger en même temps. Les femelles de grande taille, les femelles laitières, boucheries, ils s'attendent pour une alimentation restreinte. Donc, une alimentation où ils doivent manger leur grain tout le monde en même temps, à 40 à 50 cm par chèvre. Par contre, si c'est du foin à volonté toute la journée, de la moulée à volonté toute la journée, l'espace de mangeoire n'est pas obligé d'être aussi grand que ça. Ça dépend un peu du type d'alimentation.
Dans les exigences, j'ai noté que les chèvres dont l'alimentation est restreinte doivent toutes pouvoir accéder aux aliments en même temps. C'est la règle un peu qui dicte tout le paragraphe. Jean-Philippe, il y a une question Oui. par rapport à la densité. Je ne sais pas si tu veux y répondre tout de suite, là. Je ne l'ai pas vu, il faut falloir. Oui, je vais te la lire. En fait, on demande si le groupe est plus petit, avec quelques têtes, est-ce que la densité doit changer? Est-ce qu'on peut mettre plus, dans le fond, avec deux chèvres, est-ce qu'on pourrait les mettre dans un petit enclos 4 par 8, là, qui serait pas assez grand selon la norme, là? La réponse est Non, non, mais je vais te non, laisser répondre. c'est ça. Non, si on se fie à aller aux exigences, mais c'est ça. Dans nos discussions, je me souviens d'une fois où quelqu'un parlait justement de ces deux chèvres, ou en tout cas une ou deux chèvres, puis il y avait un petit cabanon pour qu'elle puisse être à l'abri, qui ne faisait pas 15 pieds carrés, mais elle avait accès toujours à l'extérieur, mais elle restait souvent à l'intérieur dans son petit cabanon. En fin de compte, il n'y a personne qui va aller dire hey, ton cabanon n'est pas assez grand, là. Elle a quand même accès, même si elle n'y va pas, à beaucoup plus grand. Puis franchement, comme j'ai dit plus tôt, si l'animal est en bonne santé, puis personne s'en va vous dénoncer pour un trop petit enclos, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est vraiment ce code-là sert à s'il y a vraiment abus, là. On va se référer à ça. Mais en tant que construction ou quand tu veux savoir si tu fais les bonnes choses, ben tu te réfères aussi à ça. Ensuite de ça, c'est ça, il parlait aussi, il y avait une petite note dans les pratiques recommandées, donc ce n'est pas une exigence, mais il recommande fortement que pour des Pour animaux qui des sont. animaux qui sont. Wow. Wow. Là, je m'entends en Là, je double. m'entends en double. Je t'entends en Je double t'entends en aussi, double aussi, Jean-Philippe? 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 Moi aussi, je Moi m'entends en aussi, double je m'entends en d'ailleurs. double d'ailleurs. Ouais. Il y a quelqu'un qui Il y a vient de se quelqu'un qui vient de se connecter. connecter. Est-ce que s'il y a Est-ce quelqu'un que qui s'il y a s'est quelqu'un qui s'est connecté, pourrait connecté, pourrait se mettre sur se mute, mettre s'il vous sur mute, plaît? s'il vous plaît? Allô, allô? Allô, allô? Toujours là. Toujours là. Je vais vérifier dans les Vérifier dans les participants pour participants pour mettre sur mute mettre si sur c'est quelqu'un mute qui si ne c'est l'est pas. quelqu'un qui ne l'est pas. Est-ce que c'est mieux? Essaye donc Allô? encore? Moi, je pense que ça va là. Ouais, bon, ça l'a passé. Parfait. OK, je continue. Oui. Alors, on parlait des femelles gestantes. Donc, prévoir des plus grands espaces de mangeoire pour les femelles gestantes, surtout vers la fin de la gestation, on le sait qu'ils deviennent très larges. Fait que, toujours l'idée, c'est qu'ils puissent manger tout en même temps. Vérifier l'eau quotidiennement, grosso modo, s'assurer que l'eau est sapide, est buvable, est de qualité, puis qu'est propre, toujours disponible. Système de manipulation, enrichissement, là, c'est des pratiques recommandées. Grosso modo, faut pas qu'ils puissent se blesser nulle part. Gestion litière et fumier, je me souviens c'était important d'avoir une litière qui est non toxique. Fait qu'on sait qu'ils mangent à peu près tout. Pas mettre quelque chose qui pourrait s'intoxiquer en le mangeant. La clôture, c'était moins quelque chose qui est associé aux chèvres laitières, mais c'était toujours la même chose, s'assurer que c'est safe pour la chèvre, faut pas qu'elle puisse se faire mal et pas s'échapper idéalement. Ici, dans les exigences, il doit pas y avoir d'arrêt de vivre, c'est ça, pas d'objet pour qu'il puisse se blesser. Au niveau de la salle de traite, qui nous touche plus particulièrement, il donne des recommandations un peu sur le concept de la salle de traite, comment ça devrait être. Mais parmi les exigences, là, le seul que j'ai noté, c'est les zones de salle de traite doivent être exemptes d'objets, même chose, où ils pourraient se faire mal. Mais il y a plusieurs pratiques recommandées là, qui sont intéressantes là, pour le bien-être, mais ce n'est pas des exigences. Donc, vous pourrez prendre le temps de les lire, s'assurer qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il n'y ait pas trop des pentes raides ou des pour que ce soit bien éclairé, là, grosso modo, qu'il ne soit pas entassé trop longtemps non plus.
Préparation de situation d'urgence, c'est quelque chose qu'on connaît moins, mais grosso modo, c'est pour dire que s'il arrive quelque chose, un feu ou un flood, voyons, l'eau qui rentre dans la grange. Oui, excuse. L'inondation ou quelque chose du genre, c'est d'avoir idéalement une préparation, un plan d'urgence, un plan d'évacuation ou un plan pour remédier à la panne de courant ou quoi que ce soit. Normalement, ça devrait être écrit quelque part pour que le monde soit au courant, les propriétaires ou les employés. Mais c'est au moins d'y avoir pensé, là, s'il arrive quelque chose pour le bien-être de l'animal, qu'on puisse agir rapidement. C'est ça. Des mesures d'urgence adaptées, une carte du bâtiment, ça, s'il y a un feu, ça peut être utile pour les pompiers. À la conception, prévoir aussi des protocoles d'urgence, des arrêts de feu, des systèmes d'alarme incendie, des trucs comme ça. Fait que personne ne va venir vérifier ça, mais ça fait partie quand même des exigences normalement d'une ferme, comme la plupart des entreprises autres que ferme aussi. Là. Fait que là-dessus, moi aussi, il faut que je travaille là-dessus. J'ai pas vraiment quelque chose de prêt encore, mais ça devrait être quelque chose dont on devrait s'occuper. Il en parle des incendies ici, donc vous pourrez le lire un peu plus. Les feux de friche pour ceux qui sont en pâturage, surtout dans l'Ouest. Les pannes, parmi les exigences, une méthode de source d'alimentation d'appoint pour l'électricité. Fait que si jamais il y a une panne d'électricité qui dure, puis vous n'avez rien fait pour ramener l'électricité, puis ça devient invivable dans l'étable, puis il y a quelqu'un qui se plaint, ben vous aurez eu un manquement par rapport à cette exigence-là. Fait que c'est ça, ça fait partie pour le bien-être de l'animal. Si on continue, perte catastrophique d'animaux, bon, il y a différents trucs là-dedans, plan d'euthanasie. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait ça, moi non plus, mais ça devrait être quelque chose qu'on devrait avoir. Gestion d'aliments et eau. Le résumé du paragraphe, c'est que les chèvres reçoivent des aliments et de l'eau en quantité suffisante pour préserver leur santé et leur état de chair et pour réduire les maladies liées à la nutrition. Donc ça englobe pas mal tout ce qui se dit à la suite. Il y a bien des choses qui se disent, là, mais grosso modo, on connaît un peu comment soigner la plupart, comment soigner une chèvre. Et ça dira pas qu'une méthode d'alimentation est meilleure qu'une autre. Simplement que il faut que ça soit équilibré puis bon pour sa santé. Il se fie à l'état de chair beaucoup. Donc, si vos chèvres sont ultra maigres, puis quelqu'un dit va se plaindre que les chèvres qui vont dehors autour de ta maison sont ultra maigres, ben il pourrait se fier aux exigences puis à ce qui est écrit dans le code. Les aliments doivent être manipulés, entreposés, distribués de manière à maintenir la qualité et à réduire la détérioration. C'est assez basique. Selon les stades aussi, donc les boucs, les chèvres, ils vont décrire un peu tous ces stades-là, surtout par des pratiques recommandées. Il n'y a pas vraiment d'exigence là-dedans. Là-dedans, j'ai noté une chose importante qu'on a discutée dans le comité. Et puis, moi, je suis assez d'accord avec cette phrase-là, mais un autre producteur était assez pas d'accord dans la chèvre en Ontario, dans la chèvre laitière. Finalement, elle est là, mais je pense qu'on va en rediscuter beaucoup avant avant l'émission du code final. Là. Tarir les chèvres au moins 60 jours avant la date de mise bas. Ils l'ont mis dans les exigences. Je dis « ils », mais je faisais partie de tout ça. On en discute, mais grosso modo, c'est pas moi qui l'ai écrit, le texte final. Là. Mais donc, c'est là. Je ne sais pas si ça va être encore là à la fin. Pour la plupart du monde, c'est pas trop un problème, mais il y a plusieurs producteurs ontariens, surtout les gros troupeaux, où ils tarient presque jamais leurs chèvres. Donc là, ça peut causer problème si ça fait partie des exigences et si quelqu'un s'en plaint.
Mais bon, fait que c'est ça. Sinon, les autres exigences, je pense que c'est le bon sens. Les chèvres, l'alimentation pour les chèvres laitières, l'alimentation des chèvres doit être suffisamment nutritive pour maintenir un état de chair durant la lactation. Les chevreaux nouveau-nés et le colostrum, il y a des recommandations sur la quantité, la qualité et la rapidité à laquelle on le donne. Le chevreau nouveau-né doivent recevoir leur premier repas de colostrum le plus tôt possible. C'est quelque chose qu'on connaît, mais ils le décrivent assez bien, de préférence dans les 2 premières heures et pas plus tard que 6 heures après la naissance, parce que les études ont montré que c'est là que tout se joue, puis ça va impacter toute la santé des chevreaux pour les mois à venir, là. Donc, on sait que c'est super important, on fait toujours de notre mieux, des fois on échappe, mais bon, grosso modo, faut essayer de faire de notre mieux, là. C'est plutôt ça qu'il faut retenir, là, pour le donner le plus rapidement et un colostrum de qualité surtout. C'est ça, essayer d'agir, on ne demandera pas à personne de se lever d'ennui, là, mais essayer d'agir rapidement dès le matin, là, s'assurer qu'ils l'ont eu, le colostrum, soit qu'ils ont bu après leur mère ou soit qu'on le donne à la main. Jean-Philippe, on avait une question sur le tarissement. On demande est-ce que l'exigence de tarir au moins 60 jours avant la mise bas a été basée sur des études qui démontrent un impact sur le bien-être des chèvres? Sinon, c'était quoi la justification? Ouais, je me souviens qu'il y avait des. On a parlé, les scientifiques ont parlé d'études par rapport à ça, que c'était. C'est pas dire que chaque chèvre qui n'aura pas été tarie sera pas bien, sera plus en santé, là. Mais l'étude portait sur un grand nombre de chèvres, puis en général, les chèvres qui avaient eu 60 jours de tarissement. Était en meilleure santé du pied, meilleur état de chair, meilleur tout, là, ou presque, là. Puis c'est éprouvé, là, mais jusqu'à quel point ça fait partie du bien-être, c'est plus là-dessus qu'on discutait. Est-ce que vraiment ça prouve que la chèvre a un meilleur bien-être? Comme j'ai dit, il va y avoir des discussions là-dessus parce que c'est un des points que j'ai entendu le plus de commentaires, là, par rapport à certaines personnes qui m'en ont reparlé. C'est ça. Il y a des choses scientifiques là-dessus, mais je ne m'en souviens pas exactement par cœur, Merci. là. Gestion de la prise du colostrum, il y a des pratiques recommandées. Ce n'est pas des exigences, là, mais vérifier le colostrum, ça, c'est pour les chevreaux élevés sous la mère. Après ça, gestion de la prise de colostrum séparée, plus comme plusieurs d'entre nous font. Un chevreau nouveau-né doit recevoir au moins 20% de son poids de naissance en colostrum au cours de ses 24 premières heures de vie. S'il n'est pas administré immédiatement, le colostrum doit être couvert et réfrigéré tout de suite après son prélèvement pour réduire la croissance de bactéries. Il ne faut pas le laisser à température pièce. Si le colostrum est traité thermiquement, thermisé ou pasteurisé, il ne doit pas dépasser 90, 60 Celsius, plus que 60 minutes. Toujours utiliser une méthode qui permet de réchauffer uniformément. Il peut être congelé, mais décongelé lentement, puis pas au micro-ondes, idéalement. Donc ça fait partie des exigences. Ça a été fondé justement sur plusieurs études pour le bien-être du chevreau. C'est ça qui devrait l'être. Fait qu'on fait tout notre mieux, je pense. Mais après ça, bon, ben, c'est ça, on fait de notre mieux. Dans les quantités, là, dans les pratiques recommandées, là, on en parle souvent de la qualité du colostrum, là, mais ces trucs-là recommandés, là, sont vraiment intéressants. Puis ont vraiment un gros impact sur la santé des chevreaux naissants, là. Dont entre autres la qualité du colostrum, là, qui peut être extrêmement variable. Donc, on devrait toujours vérifier un peu la qualité avec un réfractomètre, puis essayer de viser au moins 19-21%. Il est possible de gaver le chevreau par sonde œsophagienne.
Mais bon, il faut s'assurer d'avoir la bonne technique, demander à son vétérinaire si on n'est pas sûr de comment le faire. Et puis, ça décrit un peu comment le faire, là. Mais tu sais, il faut penser à visuellement aussi, quand on gave un chevreau, moi, je le vois toujours comme ça, les trucs qui peuvent faire le plus peur sur une vidéo YouTube. C'est niaiseux, là, mais quand tu gaves le chevreau, ça a toujours l'air d'y faire mal, puis tout. Mais bon, il n'est pas interdit de le faire si tu le fais avec la bonne technique, puis comme il faut. Oui, il va crier, mais c'est pas interdit de le faire. Ça sauve des chevreaux. Fait que il n'y a pas de raison de ne pas le faire, là, même si ça peut avoir l'air de martyriser le chevreau. Les trucs par rapport au lait de remplacement, vous pourrez lire. Préparation chevreau au sevrage. Il devrait avoir de la moulée à la dérobée, puis de l'accès à l'eau offert aux chevreaux élevés en pouponnière à partir de 1 ou 2 semaines pour favoriser le développement du rumen. Ça fait partie des exigences. Avant le sevrage, les chevreaux doivent consommer les quantités adéquates de fourrage, d'aliments solides et d'eau tous les jours. Les chevreaux ne doivent pas être sevrés avant l'âge de 6 semaines. Nous autres, on se réfère toujours au poids. En général, c'est pas avant 6 semaines, mais ça peut arriver qu'un petit vite soit sevré avant ça. Mais bon, s'il mange la moulée puis il respecte les autres critères, il devrait pas avoir de problème. Les aires de package, c'est pas des trucs que j'ai retenus, là. C'est toujours les mêmes choses, que ce soit safe pour la chèvre, l'eau potable. Maintenant, les pratiques d'élevage. Quelque chose d'intéressant dans le sens que toujours penser à si quelqu'un de l'extérieur nous voit attraper la chèvre, est-ce qu'on va avoir l'air d'un lion qui veut tuer la chèvre ou on va avoir l'air d'un bon chevrier qui attrape gentiment sa chèvre? Fait que, ils décrivent un peu comment les attraper pour être sûr pour que la chèvre pour pas faire mal à la chèvre, là, grosso modo. Fait que, c'est possible de l'attraper par la patte. Moi, il m'arrive d'attraper une chèvre par la patte d'en arrière. C'est possible de le faire, en autant que ça soit pas pour la traîner par la patte d'en arrière. Tu peux l'attraper pour la saisir. Après ça, tu la reprends par le cou. Bon, ils vont décrire là-dedans, là, grosso modo, comment les attraper. On peut prendre une canne. C'est des trucs qu'on peut faire, là. Mais bien important de ne pas la traîner par une patte ou par les oreillers, mettons. Parmi les exigences, les chèvres ne doivent pas faire l'objet de mauvais traitements. Tu peux pas les frapper avec la canne, donner des coups de pied, tordre la queue. Des fois, on sort de la queue pour la faire avancer un peu plus vite, en autant que tu la tordes pas pour la casser, là. Mais c'est ça. C'est des trucs faut faire attention pour le bien-être de la chèvre. Les jougs, les entraves, c'est pas des trucs qu'on connaît trop. Bon, en tout cas, moi, je connais pas beaucoup ça pour les empêcher de passer à certains endroits, là, grosso modo. Les animaux doivent pas porter de joug ou de barre entre les cornes continuellement. Fait que si on met quelque chose pour l'empêcher de un genre de des fois j'ai déjà vu des triangles en bois, ben, elle doit pas le porter continuellement. C'est un peu pour ça qu'on les met, mais bon, pour le bien-être de l'animal, on n'est pas supposé. Contrôle des prédateurs s'ils sont à l'extérieur. Les producteurs doivent s'assurer que les exigences d'identification gouvernementale sont respectées pour toutes les chèvres. Fait qu'ils vont, ils iront pas dire que dans le code qu'ils doivent être tagués ou quoi que ce soit. Ils recommandent qu'ils soient toujours tagués, c'est certain, mais en autant qu'on respecte les exigences d'identification gouvernementale, soit provinciale ou fédérale. Présentement, on n'en a pas encore fédérale, mais ça devrait venir un jour. Les onglons, le parage des onglons, c'est assez important. Grosso modo, on sait. De toute façon, les onglons doivent être inspectés régulièrement, parés aux besoins. Les membres du comité se sont entendus pour dire tous les 6 mois. Je pense qu'on s'entend pas mal tout le monde pour dire que si on le laisse aller à 1 an de temps, ça va commencer à être laid pas mal, à moins qu'il y ait à l'extérieur sur des roches, là. Mais grosso modo, si tu les inspectes puis ils sont corrects pour X raisons, ils s'usent tout seuls, pas besoin de tenir compte du 6 mois, là. Mais c'est bon, c'est ça. 2 fois par année, ça devrait être un minimum.
il y a des pratiques recommandées qui sont intéressantes. La castration. Il y a différentes façons de castrer. Moi, je connaissais seulement l'élastique, mais il y en a d'autres. Il faut prévoir une méthode de contrôle de la douleur et consulter le vétérinaire pour savoir au moins comment faire. Contrôle de la douleur, là, c'est avec l'élastique, là, c'est simplement une injection d'antidouleur, d'analgésie. Fait que c'est pas bien compliqué, mais il y a les pinces à castrer que je connaissais pas qui visent à sectionner un peu le fil qui relie les couilles. Mais bon, ça fait un peu plus mal, c'est un peu plus tard, ça dit quand le faire, comment le faire, qu'est-ce qu'on devrait utiliser. Fait que le plus simple, c'est juste de donner un antidouleur, mais des fois, il faut faire une anesthésie locale et puis donner des analgésiques après. Fait que il peut y avoir les chirurgies, mais bon, tout ça est bien décrit là-dedans selon ce que vous utilisez. Un chapitre important, les bourgeonnages, les cornages. Ça va être un sujet un peu plus chaud. C'est clair qu'on va toujours, en tout cas, il n'y a pas rien là-dedans qui va dire qu'il va falloir que ce soit un vétérinaire prochainement qui le fasse. On n'a pas eu de discussion vraiment de ça. Par contre, c'est important de se le faire montrer comme il faut par une personne qui s'y connaît, dont le vétérinaire, et d'utiliser les bonnes méthodes la bonne façon. En tout cas, vous pourrez lire les paragraphes. Les exigences sont les bourgeonnages brûlés doivent être pratiqués que par une personne compétente, nous, ayant été formée par un médecin vétérinaire. Fait qu'on peut le faire, nous, en autant qu'un médecin vétérinaire nous a montré la bonne façon de le faire. Un analgésique doit être fourni durant les bourgeonnages. Et si un anesthésique, donc pour le gelé local, est utilisé, il doit être administré par une personne compétente ayant été formée par un vétérinaire. Donc, c'est la même chose. On peut tout faire ça, nous, en autant que le vétérinaire nous l'ait montré comme il faut, comment le faire. Et l'anesthésien local n'est pas encore obligatoire. L'analgésique, donc pour l'antidouleur, lui, devrait être administré. Je vois pas là en haut de mon... à cause de mon bon, il est dans le haut de mon écran, je vois plus qu'est-ce qui était marqué. Je te lise, il est écrit. Ouais, la première en haut. Les bourgeonnages doivent être pratiqués sur des chevreaux dont les bourgeons ne sont pas encore attachés au crâne, habituellement à l'âge de 7 à 14 jours et pas plus tard qu'à 21 jours. OK, bon, ben c'est ça. Fait que c'est la technique, c'est le moment qu'on connaît pas mal, là, que je pense que pas mal tout le monde utilise autour d'une semaine ou deux. Les bourgeonnages à faire chaud est la seule méthode acceptable pour brûler. Il faut pas, eux autres, en tout cas selon les études qui ont démontré, il faut pas utiliser la pâte caustique ou l'huile de girofle. C'est des pratiques qui sont pas adaptées pour les chevreaux. Souvent trop douloureuses ou le fait qu'on ne puisse pas les isoler. En tout cas, ça ne serait pas accepté. C'est ça. Les cornages, ça c'est vraiment couper ou arracher la corne quand elle est déjà poussée là, à un stade ou à un autre, là, petite ou grosse. Avec une bande élastique ou un gouge, je suis pas certain de c'est quoi, je l'ai vu en anglais, en français je me souviens plus, mais je pense que c'est comme un gros ciseau, un gros cutter ou un autre type, sont interdits de toute façon. Fait que les cornages doivent être pratiqués par un vétérinaire s'il faut le faire. La note ici la plus importante, bon, on en a discuté longtemps de ce chapitre-là. Et puis, on est venu à un consensus, tout le comité, pour dire qu'on allait laisser aux producteurs 5 ans pour se former à l'utilisation d'un anesthésique local. Et l'antidouleur après n'étant pas trop un problème. Là. Mais geler le bourgeon va devenir, à partir de 2025, à moins que ça change, là, on est encore dans la version
préliminaire du document, là. Mais pour le moment, c'est ça qui a été décidé. À partir de 2025, ça serait quelque chose qui deviendrait obligatoire. Mais bon, c'est comme tout le document. C'est toujours si quelqu'un se plaint que tu le fais pas comme il faut. Mais on a eu, je pense que tout le monde a déjà vu, ou en tout cas, il existe des vidéos sur Internet de groupes anti-animaux là, qui ont des caméras cachées dans des tables et dans des chevreries. Ça s'est vu en Australie il n'y a pas trop longtemps, où le gars fait les écornages, puis un peu à la technique qu'on a toute faite depuis longtemps, là, mais il brûlait, il poignait le chevreau par la tête, puis il passait par-dessus la clôture, puis il lâchait, c'était fini. Bon, éventuellement, ça sera plus accepté, ça, parce que c'est pas... Puis c'est prouvé scientifiquement. J'ai vu plusieurs études là, avec le comité, que entre autres, à peu près... je vais dire un chiffre, là, c'était pas exactement ça, mais c'était un gros chiffre, là. 75% des problèmes chez le chevreau durant la phase lactée étaient déclenchés d'une façon ou d'une autre par le brûlage des cornes. Fait que sans nécessairement que le brûlage en tant que tel, instantanément cause un problème, pouvait affaiblir le chevreau. Puis était plus susceptible d'attraper autre chose, un autre problème ou peu importe. Puis en faisant l'analyse de plusieurs crânes après les avoir tués, après qu'ils soient morts là, de X problèmes, ben ils voyaient qu'il y avait des brûlures jusque sur le cerveau. Fait que bon, la technique est bien va être bien décrite. Je pense qu'il y a une annexe pour décrire comme faut comment la faire. Et puis vraiment, moi ça fait un peu plus qu'un an que j'utilise l'anesthésien local et avec l'antidouleur après. Puis j'ai noté une très grosse différence là, sur l'état général de mes chevreaux le mois qui suit. Fait que je suis convaincu, comme les études le prouvent, que c'est très bon pour l'animal, pour son bien-être. C'est vrai que ça demande à peu près le double du temps. Ça demande plus de temps. Faut les geler. Tu leur laisses en tout cas, la méthode de votre vétérinaire va vous la montrer comme il faut. Mais ça demande plus de temps, mais les producteurs vont être gagnants au bout du procédé. Ah, Philippe, toi, Oui. chez vous, vous le faites, les gelées? Je le fais depuis un an et OK. demi. Puis c'est quoi ton taux de succès pour les gelées? Pour les geler, au début c'était un peu moins bon, mais maintenant c'est dur à dire, là. En général, ils crient pas, puis quand il y en a un qui crie au meurtre, ben, je me dis, hop, lui, je l'ai peut-être manqué. Mais je dirais 90%, là, j'ai l'impression qu'ils sont bien gelés, là. Il y a vraiment une différence par rapport à ce comme je faisais avant, avec rien. Les bébés, ça crie au meurtre, là. Ça a vraiment l'air de faire mal, mais on s'immunise. En tant que producteur qui le fait, à un moment donné, ça nous fait plus rien, là. Puis on passe par-dessus ça, puis quand on la remet dans le parc, il y a de l'air bien correct. Mais quand tu commences à geler, puis tu prends la technique, puis tu le fais, ben, en tout cas, moi, je retournerai pas en arrière, là. Même si ça me prend le double du temps, c'est beaucoup plus le fun pour le producteur, même si c'est plus long. Les animaux ont vraiment l'air de, quand c'est bien gelé, de rien sentir. Puis ils vont retourner dans le parc, puis comme si c'était rien passé. Puis ben, en tout cas, moi j'ai trouvé que le gain de croissance et puis les problèmes que j'avais ont beaucoup diminué. Le gain de croissance est meilleur. Okay. Mais On bon, ça pourra c'est. sûrement en Ouais, rediscuter c'est tantôt ça. parce qu'il y a quelques commentaires aussi là, dans le chat, là. Fait qu'à la fin, on pourra en discuter là, plus longuement. Merci. Absolument. OK, on va continuer. Reproduction, pas grand-chose de spécial. Les chevrettes doivent avoir atteint au moins 65% du poids adulte attendu. Donc, ça représente grosso modo les barèmes qu'on utilise, tous qui sont reconnus là, autant en Europe qu'ici. Ça fait que ça, c'est rien de spécial, mais saillir une chevrette de 3 mois, ça serait un peu inapproprié. Gestion des mises bas, plusieurs petits trucs, mais... ce que j'ai retenu, c'est que les chèvres qui sont logées à l'intérieur doivent avoir un espace propre et sec recouvert de litière
Donc, ils ne doivent pas être dans la boîte, dans le fumier. Essayer de mettre ça propre, spécialement autour de la mise bas. Je continue. Dans la méthode de tarissement, là, une chose que j'ai notée, tout le monde a un peu sa façon de tarir les chèvres, là, mais une chose qu'il faut retenir, c'est que tu ne peux pas enlever tout accès aux aliments et surtout à l'eau. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Fermer l'eau, c'est pas accepté là, selon les exigences du code. Normalement, les chefs devraient avoir de la nourriture aussi. Ça peut être de la paille, là. Ça, c'est pas de problème, en autant qu'ils puissent manger quelque chose, entre autres de la fibre. Je continue. La gestion de la santé. Il est 3. OK, on a encore du temps. Le résumé de cette section-là, améliorer le bien-être en amont par la prévention des maladies, la surveillance de la santé du troupeau et la prestation des traitements appropriés en temps opportun. Grosso modo, une bonne gestion de troupeau, des traitements préventifs, probablement la vaccination aussi, vont améliorer l'état de santé du troupeau et ainsi le bien-être de l'animal. Savoir reconnaître les maladies, les blessures, c'est important. C'est des pratiques recommandées surtout. Parmi les exigences, quand on prend en charge un animal malade, c'est important dans le sens que faut agir. Tu laisses pas l'animal souffrir dans le coin du parc pendant des jours en faisant rien. Puis par agir, c'est soit la soigner, soit l'euthanasier. Soit offrir un traitement indiqué ou pas offrir de traitement, puis la retirer du troupeau, mais pas attendre, dans le fond. C'est ça, grosso modo, qu'il faut retenir. Faire des registres écrits des épisodes de maladie et des traitements. S'il y a une hausse inattendue, inexpliquée, soudaine de maladie, de mortalité, s'en occuper. En parler avec son vet ou faire quelque chose pour. Grosso modo, c'est ça. Il y a plusieurs pratiques recommandées. Tout ça, là, ça met en importance, en évidence, la relation qu'un agriculteur, qu'un éleveur de chèvres devrait avoir avec son vétérinaire. Il appelle ça la relation vétérinaire-client-patient, RVCP. À partir du moment où tu as un troupeau de chèvres, que ce soit 3 chèvres ou 300, tu devrais avoir une relation avec ton vétérinaire pour savoir comment gérer ton troupeau, grosso modo, au niveau de la santé. Tous les producteurs doivent tenir, c'est ça, et entretenir cette relation-là avec le vétérinaire. Ça fait partie des exigences normes du code. La gestion des animaux morts. Les animaux morts doivent être enlevés rapidement des bâtiments d'élevage et des pâturages. C'est assez simple, mais tu ne laisses pas pourrir une chèvre dans un parc, grosso modo. Les boiteries. Donc, il y a un tableau des différentes maladies, problèmes liés aux boiteries, les causes. C'est quasiment plus à titre de référence. Mais s'il y a des problèmes, en parler avec son vet. Les chèvres doivent pouvoir se tenir debout et marcher correctement, droit, solidement et d'écart sur les onglons plats et de niveau. Il va toujours en avoir qui boitent, là. Ça ne peut pas disparaître. Mais le plus possible, essayer de faire quelque chose pour, s'il y a quelque chose à faire pour, dans le sens où on ne peut pas faire de miracle, mais si on peut faire quelque chose pour l'améliorer, il faut le faire. Une note importante, puis c'est écrit dans le code des bonnes pratiques du transport aussi, donc c'est relié. Les chèvres boiteuses qui sont inaptes au transport ou qui répondent pas au traitement devraient être euthanasiées. Doivent être euthanasiées, c'est ce qui est marqué. Fait que t'as une boiteuse qui marche 3 pattes, en tout cas, tu devrais pas l'envoyer à l'enquête. Ou si elle pourrait être transportée, elle devrait être transportée à l'abattoir le plus proche pour pas qu'elle soit, dans le fond, en souffrance dans un transport parce que c'est un gros stress pour l'animal.
Ça continue avec la prévention, des contrôles des maladies, plusieurs choses qu'on connaît un peu, auxquelles on peut se référer. C'est ça, il y a un chapitre sur le transport, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le présent code n'est pas une ressource complète sur les règlements provinciaux et fédéraux pertinents. Les règlements doivent être étudiés en entier, dans le sens que pour chaque province, il peut y avoir des règlements différents sur le transport des animaux. Puis ces règlements-là ont priorité sur, grosso modo, le code de transport et les sections de transport dans les différents codes. On résume ça, ce que j'ai noté, c'est que le droit du transporteur de refuser d'embarquer des chèvres qui jugent fragilisées ou inaptes au transport doit être respecté. Donc, le transporteur peut refuser de la prendre s'il juge qu'elle n'est pas correcte. Lui aussi est régi par son code, là, de transport. Les animaux fragiles qui sont transportés doivent être abattus, doivent aller directement à l'abattoir provincial le plus proche. Dans ça, si tu ne fais pas faire le tour de la province 3 fois, là, en tout cas, c'est assez basique. On est dans les préparatifs pour le transport. Les véhicules doivent être exempts de sous-produits animaux. Fait qu'idéalement, ça arrive presque jamais, là, mais bon. Idéalement, les véhicules devraient être propres avant l'embarquement des chèvres. Quand ça part à l'encan, souvent, il y a bien des chances qu'ils ne soient pas propres. Mais ça, c'est surtout le problème du transporteur. Ben, c'est nous qui devrions vérifier aussi l'état, là, mais le transporteur devrait maintenir sa remorque le plus propre possible. Mais bon, je l'ai noté parce que c'est quand même quelque chose d'important qui figure dans les exigences. Les animaux en fin de gestation ne devraient pas être transportés. Fait qu'en fin de gestation, là, je vois pas le chiffre, Caroline. Ici, c'est 15 quoi? jours. 15 jours avant la mise bas, j'imagine. Ne devraient pas être transportés. Si possible, avant. Embarquement, réception à la ferme. Les chèvres doivent être embarquées calmement, silencieusement et patiemment. C'est difficile, mais faut faire notre possible. Gardez toujours en tête que si quelqu'un vous filme, de quoi vous avez de l'air. Okay. C'est juste pour ça que c'est écrit là. Puis aussi pour le bien-être de l'animal. Tu veux pas. L'animal, anyway, va répondre beaucoup mieux. Ben, la chèvre. En tout cas. Mais normalement, là, si tu es calme avec l'animal, ça devrait mieux se passer que si tu cries après. C'est un peu ça l'idée. Les signes d'inconfort. Bon, un autre chapitre assez important, l'euthanasie. Ici, j'ai pris une note, là. Au besoin, les chèvres sont euthanasiées rapidement, sans cruauté et en toute sécurité. Grosso modo, là, puis j'en ai jasé directement avec même une membre du comité qui fait partie d'un club, pas d'un club, d'un groupe pour le bien-être des animaux, en tout cas. J'ai dit, si moi, je veux pas garder certains mâles, ou toutes les mâles au besoin, est-ce que j'ai quand même le droit de les euthanasier? La réponse est que le code va pas empêcher d'euthanasier l'animal. Si toi, tu décides de l'euthanasier pour tes raisons, tu peux le faire en autant que tu le fasses selon les exigences, selon les façons de faire qui sont inscrites dans le code. Fait que vous aurez compris que si le chevreau, tu l'euthanasies d'une façon pas très jolie, ça va mal passer si quelqu'un te voit, puis tu pourras pas ben te défendre. Mais si tu le fais selon ce qui est écrit dans le code, normalement, tu es correct. Bon, si je lis grosso modo, il est inacceptable de laisser souffrir inutilement un animal malade ou blessé. À partir du moment où on décide en tant que producteur qu'on devra cet animal-là, on le traitera pas, on va l'euthanasier. Ben, on le laisse pas 2 jours. Normalement, on devrait le faire le plus rapidement possible. Fait que chaque ferme doit avoir un plan d'action pour l'euthanasie. Que vous devriez consulter votre vétérinaire pour élaborer ce plan-là. Chaque ferme
doit avoir au moins une personne disponible chargée de prendre les décisions en matière d'euthanasie. Les décisions d'euthanasie, une chèvre doit être prise dès que l'animal est malade ou blessé et qu'il souffre et qu'il est en détresse ou qu'on sait qu'il ne peut pas revenir, dans le fond. Les méthodes d'euthanasie acceptables, ça, c'est quelque chose de super important que tout producteur devrait s'informer et essayer de respecter. Dans le fond, le prochain tableau, ce qui figure pas dans le prochain tableau est inacceptable. Fait que toutes en tant que comité, on en a discuté de toutes les façons possibles. Eux autres aussi, les vétérinaires en ont entendu des vertes et des pommeurs. Mais grosso modo, on voulait pas citer les façons interdites parce que ça peut donner des idées. Mais si c'est pas dans le tableau, c'est pas acceptable. Les méthodes, il y a l'arme à feu, en autant que ce soit bien fait. Le pistolet à tige pénétrante, donc c'est comme une pine qui rentre, qui perce le crâne et qui se retire. Fait qu'on met une balle de poudre, puis en tout cas, j'en ai un chez nous, mais vous avez peut-être déjà vu ça. Pistolet à tige non pénétrante, fait que c'est plus un impact, comme une boule qui va venir fracasser le crâne. Puis les médicaments approuvés pour l'euthanasie, mais ça doit être administré par un vétérinaire. Fait que, grosso modo, ces trois méthodes-là, on peut tuer à l'arme, on peut tuer avec le pistolet ou le non-pénétrant. Pour le non-pénétrant, c'est ça convient seulement pour les chevreaux de moins de 5 kg, donc les naissants. On utilise une cartouche ou ça peut être à l'air aussi pour chaque. Puis il doit absolument, il faut retenir, il doit avoir une mesure complémentaire. Fait qu'utiliser ce gun-là, c'est parfait, mais tu peux pas arrêter ça là parce que dans le fond, ce gun-là, il fait juste assommer le chevreau. Donc il perd connaissance. Il va probablement mourir de ça, mais ça va prendre beaucoup de temps. Fait qu'il faut. Il faut lui enlever la vie le plus rapidement possible. Donc, on l'assomme d'abord, puis après ça, les mesures complémentaires, on va les voir après. Je pense qu'il l'a. Ouais, OK, ben, ils sont ici, les mesures complémentaires. Donc, tu peux sectionner une artère principale, soit sous une patte, soit dans le cou. Le jonchage, ça c'est un peu dégueulasse, mais c'est dans le fond, tu rentres une tige dans le trou que ça l'a fait, là, surtout avec le pistolet pénétrant, puis tu détruis le tissu cérébral, donc le cerveau. Ça met fin à sa vie. Ou l'injection rapide d'une solution concentrée de chlorure de potassium. C'est la méthode que j'ai trouvée la plus facile. C'est celle que j'ai mis en application là, depuis un an. Donc, pour les chevreaux, moi, j'utilise... je parle juste de moi, là, la façon que je le fais. Il y en a sûrement d'autres qui le font. Mais moi, avant d'en apprendre là-dessus, je connaissais pas ça. Fait que pour ça, j'en parle un petit peu plus, le côté pratique. J'utilise le non-pénétrant avec l'injection de chlorure de potassium. Fait que... l'injection, quand le vétérinaire peut vous former comment, quelle quantité et où l'injecter. Puis c'est assez simple, là, dans le fond, t'injectes à chaque chevreau. Donc un coup, puis une injection, puis c'est fini. C'est presque instantané. C'est facile, puis c'est pas de dégâts aussi. Donc ça paraît mieux, il n'y a pas de sang partout. Mais c'est possible aussi de lui trancher la gorge après l'avoir assommé. Pour les chèvres adultes, ben l'arme à feu ou le pistolet pénétrant, mais il doit aussi avoir une mesure complémentaire, fait injecter ou la tige. Donc c'est toujours, faut se souvenir qu'il y a deux étapes. C'est quand même des choses, je pense, nouvelles. En tout cas, c'était nouveau pour moi. Je pense que c'est nouveau pour beaucoup de producteurs. Mais ça paraît... Ça paraît pire que c'est. Là, je pense là, une fois qu'on s'habitue à ça, on s'habitue aussi au fait que l'animal, ben, il a de l'air de moins souffrir.
c'est moins cochon un peu. Fait que c'est ça. Tantôt, on pourra en reparler s'il y a des questions là-dessus. C'est un chapitre assez important. Bien-être mental, on en parle aussi là-dedans, là. Certaines personnes ne sont pas à l'aise à prendre des décisions d'euthanasier. En tout cas, faut respecter ça. L'abattage à la ferme, l'abattage en tant que pour avoir la viande. Mais l'abattage, la personne qui exécute l'abattage doit posséder les connaissances, l'expérience et les compétences nécessaires pour abattre la chèvre de façon non cruelle ou être supervisé par quelqu'un. Oh, fait qu'on va avoir du temps pour les questions. On aurait déjà survolé. Après ça, il y a la biographie. Il y a plusieurs annexes. Il y a une petite coupe d'affaires dans les annexes que je voulais. En tout cas, ça va. Il y a bien, bien des affaires intéressantes à lire là-dedans. Les états de chair, le flight zone, donc la zone de fuite pour les chèvres. Comment manipuler les chèvres sans trop les stresser, puis ça, de façon plus efficace pour l'éleveur aussi. Le parage des onglons. Pour les moeurs, des arbres décisionnels, l'évaluation de la boiterie, le transport, il y a des exemples de plans d'action d'euthanasie ou d'évacuation ou de quoi que ce soit. Fait qu'on peut, il y a beaucoup de documents utiles. Des repères pour l'euthanasie par arme de feu, par pistolet à tige pénétrante. Donc, on essaie par un dessin là, de montrer exactement, c'est bien, bien important, l'endroit exact où on le fait. C'est pas n'importe où, c'est pas dans le front, c'est pas sur la tempe. En tout cas, avec les images, on peut se référer à l'endroit. Si c'est pas fait à l'endroit, au bon endroit, ça peut ne pas fonctionner ou ne pas bien fonctionner, puis d'être beaucoup plus souffrant pour l'animal. Fait que c'est important de se le faire montrer ou de, en tout cas, avec les images, faire de son mieux. Après ça, quand je parlais de trancher le jugulaire sous la plate ou dans le cou, l'injection, fait que, en tout cas, votre vet, moi, mon vet me l'a montré, puis ça a été beaucoup plus facile que je pensais une fois qu'il me l'a montré. Ça paraît. Mais en tout cas, ça l'explique un peu comment le faire. Je vais regarder, faire le tour s'il n'y a pas. On aurait fait le tour. Fait que, je sais pas, Caroline, tu veux-tu passer aux questions? Oui, ben, merci Jean-Philippe. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou qui veulent discuter sur certains points, tantôt là, dans le chat, là, on avait des gens là, qui disaient qu'ils avaient essayé chez eux de geler localement le bourgeon puis que ça ne fonctionnait pas avec le vétérinaire. Donc, il y avait l'air d'avoir une problématique là, à ce niveau-là. J'imagine que ça dépend des vétérinaires. Ou toi, Jean-Philippe, tu disais que ça fonctionnait quand même bien chez vous. Je ne sais pas si Marie-Ève et Nicolas, si vous aviez plus d'informations ou si vous vouliez discuter de ce point-là en particulier. Ou si on a des vétérinaires qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Ouais. Je viens de voir quelqu'un qui a demandé la superficie là, par chèvre avec son bébé. Il est écrit là, dans le tableau, là, faudrait que j'y retourne, là, mais de mémoire, là, il est écrit là. Puis je me. Ouais. Caroline, je peux dire un mot sur la. C'est Anne Leboeuf, je peux dire un mot là, sur la question là, Oui, Anne. des injections. Enfin, moi, je ne suis pas praticienne. Mais il y a Marjolaine Rousseau, dont probablement Catherine Laure là, parle dans le chat en disant qu'il y a un projet actuellement en cours là, à la Faculté de médecine vétérinaire pour justement en arriver à des balises très claires là, sur les bonnes approches là, pour l'écornage. Et Marjolaine va nous faire aux vétérinaires là, qui font partie du réseau Petits Ruminants, donc c'est à peu près une centaine de vétérinaires là, au Québec qui font partie de ce réseau-là. Elle va nous faire une petite présentation là, à la fin du mois de mars à tout le monde là, à ce sujet-là. Ça va être un bon moment après ça là, pour pouvoir peut-être leur demander à vos vétérinaires là, comment vous pouvez ensuite
le faire. Merci, Anne. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des questions ou des choses qu'ils veulent discuter par rapport à ce que Jean-Philippe nous a parlé? Ben, regarde, pendant que moi je suis là, je veux juste rajouter un truc parce que ça a été un morceau super important, là, l'euthanasie. Je suis super contente d'entendre, Jean-Philippe, que ça fait depuis un an que tu as mis en place ces... autant au niveau de l'écornage qu'au niveau de l'euthanasie, là, que tu as mis en place ces nouvelles façons de faire. Puis, je pense que c'est construire sur des producteurs qui le font déjà, c'est toujours la meilleure stratégie. Mais il y a une formation qui est en élaboration pour les producteurs ovins et caprins. Puis, l'objectif, ça serait de faire des documents des ateliers qui devraient être donnés à l'automne prochain. Cette formation-là, là, c'est une organisation commune entre le CEPOC, le MAPAC, des gens à la faculté, puis là, j'en oublie peut-être, là, je ne me rappelle pas, Caroline, si tu es partie prenante de ça, mais en tout cas, c'est plusieurs personnes. Puis l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir non seulement des documents, des outils, mais de faire ça dans la mesure du possible avec la COVID, là, de faire des ateliers pour que vous vous pratiquiez avec des pistolets percuteurs sur des têtes d'animaux morts pour que vous ayez justement un peu dérouillé ces nouvelles façons de faire-là. Fait que c'est quelque chose qui est prévu là, pour la fin de l'année 2021. Merci, Anne. Il y a Maude qui avait un commentaire. Oui, c'est Sylvie. J'avais une question pour Jean-Philippe concernant l'utilisation des pesticides chez les animaux pour traiter pour les poux. À l'heure actuelle, ce n'est pas approuvé chez les vétérinaires comme l'utilisation du Vétolis. Puis, j'ai eu la semaine dernière là, une rencontre sur l'utilisation judicieuse des médicaments qui était donnée par Gaston Rioux du CEPOC. Puis, il dit qu'il faudrait faire des pressions là, pour l'utilisation, pour assouplir les lois sur l'utilisation des pesticides pour être capable de traiter les poux de façon efficace là, chez les animaux d'élevage, là, dont la chèvre. Je ne sais pas si c'est des sujets qui ont été soulevés, parce que là, il faudrait mettre de la poudre comme pour les chats, puis c'est vraiment pas efficace comme produit. Oui, je me souviens avoir parlé de ça. Je ne saurais pas dire c'est où, puis si qu'est-ce qui est inscrit là-dedans, par exemple. Je ne vais pas dire n'importe quoi, il faudrait que je relis des paragraphes pour voir, puis là, commencer à chercher. Mais si tu utilises, ça doit être dans la gestion de la santé, là, probablement sûr, là. Mais je ne saurais pas quoi te répondre. Mais sinon, s'il y a de quoi, en tout cas, au pire, je leur passerai puis j'irai faire le commentaire sur le site Internet directement. Oui, absolument. De toute façon, c'est ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une discussion. Les commentaires, ce que vous notez, même si on en parle, c'est pas tenu compte dans le processus. Il faut faire le processus puis aller en parler de manière personnelle via le site Internet. Là. C'est jusqu'à quelle date, hein, Jean-Philippe? Jusqu'au 22 février. Puis 22? Tantôt, je vais pouvoir mettre... Ouais. Je vais mettre les coordonnées là, où ce qu'il faut aller mettre ces commentaires-là. Parfait, merci. Il y a Maude qui avait une intervention à faire. Oui, allô. Moi, la seule chose que je me demandais, c'est au niveau de la pratique pour l'écornage. Là, ce que je vois dans les commentaires, puis moi, ce que j'ai entendu, c'est vraiment là, que c'est la difficulté à piquer les chevreaux. Je ne sais pas, là, on voit 2025, je ne sais pas au niveau de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, puis au niveau canadien, si les vétérinaires ne peuvent pas s'impliquer un peu plus à ce niveau-là, parce que c'est eux autres qui vont être directement concernés par ça. Ouais, moi je saurais pas quoi te répondre là-dessus. Je sais que, en tout cas, dans le comité, on a quand même les vétérinaires qui pratiquent surtout en Ontario, puis et eux autres sont super. En tout cas, c'est comme les meilleurs vétérinaires de la chèvre, pas mal dans les meilleurs, là, disons. Et puis, eux en parlaient dans leur pratique, ils formaient des producteurs tout le temps. Mon vétérinaire, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'il a fait souvent, mais il s'est bien informé, puis quand il me l'a montré, ça avait quand même bien fonctionné.
chaque vétérinaire va être peut-être un peu différent, mais c'est sûr qu'il faudrait que tous les vétérinaires soient bien formés pour bien le montrer, là, ce serait la base, mais je ne sais pas à quel point ça va être fait. Là. Mais tu sais, en 2025, ça va être obligatoire, disons comme ça. Mais c'est ça, il va falloir que tout le monde en ait commencé au moins à se pratiquer, là, idéalement. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas d'inspecteurs là, qui font le tour. Là. Mais je ne dis pas ça parce que je dis, stressez pas avec ça, là. Je pense qu'il faut le faire. Là. Mais pensez pas que vous allez avoir une amende en 2025 tout de suite parce que vous n'avez pas fait sur trois chèvres. C'est juste dans l'idée qu'il faut commencer à se former pour le faire. Okay. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont... Puis moi aussi, au début, là, ça fonctionnait certainement moins bien que ça fonctionne maintenant. Là. C'est vraiment avec la pratique que ça devient de mieux en mieux puis que ça gèle de mieux en mieux. Mais c'est clair que ça prend plus que deux chevreaux pour devenir bon. Là. Par la force du nombre, moi, ça s'est développé après une saison ou deux. Là. Mais ça se peut que ça te prenne 2 ans avant d'être bon, là. Mais au moins, tu as fait l'effort de le faire. Puis sur les 50% que ça a marché, ben t'en as 50% que ça a marché, là, disons-le comme ça. Là, puis ça va être mieux la prochaine fois. Fait que c'est le même que je le vois. Là. OK, c'est beau, mais merci. On a Pascal qui avait une intervention aussi à faire. Oui, ben là, je viens de l'écrire dans le chat, mais ce que je me disais, c'est que tu sais, ceux qui parmi nous sont bons, sans que ça nous donne la possibilité de... Parce que je sais... OK, je recommence. Jean-Philippe, il dit que à force de pratiquer, puis là, il a trouvé vraiment la bonne place où piquer pour anesthésier ses bourgeons. Puis mon vet me parlait là, qu'il avait fait l'expérience là, de former une collègue. Là, puis même lui, il avait finalement, je pense qu'il avait le taux de succès n'était pas super élevé. Mais je me dis, si Jean-Philippe il est bon à le faire, tu sais, dans les choses où on est bon pour faire les choses, ça se fait-tu de se filmer puis de se partager des tutos puis de voir comment Jean-Philippe fait, lui, puis qu'est-ce qui fait que ça marche, tu sais? Je ne sais pas, en tant que non-vétérinaire, s'il a le droit de le faire, là. Oui, c'est ça. Si on lit selon ce qui est écrit là-dedans, faut être formé par une personne. Oui, il faut être formé, mais tu sais, je pense, par exemple, à le cas de figure là, auquel je pense là, que le vet l'a fait avec un producteur puis ça n'a pas été un succès. Peut-être que s'il avait vu comment toi tu t'y prends puis où tu piques, c'est comme « Ah, OK, tu sais, dans le fond, c'est juste de se partager des méthodes puisque tu n'es pas là physiquement pour venir montrer comment toi tu te l'es fait montrer. » là. Mais en tout cas, c'est un vœu pieux. Des fois, il y a quelqu'un parmi nous qui connaît la réponse et qui peut des fois nous aider à être meilleurs. Tu sais, c'est plus ça, là. Christian, est-ce que tu avais quelque chose à dire à ce sujet-là? J'ai que t'as levé la main. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai Marjolaine Rousseau, elle me l'a montré il y a 2 ans. Parce que moi, je suis proche de la clinique. Là, puis j'avais demandé d'avoir la formation pour... Je l'ai, là. C'est pas évident à faire au début, là. C'est comme Jean-Philippe dit, là. C'est une pratique à développer à l'usage, finalement. C'est ça. Mais ça se fait. Ça se fait. C'est ça. C'est ça mon commentaire. C'est comme je viens de voir dans un commentaire, c'est ça. Quand on fait une vidéo comme ça, puis on veut le partager, c'est tout le temps un peu... je sais pas qui écrit ça, mais... Tu peux pas le mettre sur Facebook tant que ça, là. Même si on a un groupe privé, ça peut partir loin. Même si c'est la bonne pratique, là, puis c'est comme ça qu'il faut le faire, puis elle est super bien faite, le chevreau crie pas tout. Pour quelqu'un qui connaît rien là-dedans, puis il nous voit passer l'aiguille à 1 cm au-dessus de l'œil, puis... le tenir d'un bord et de l'autre, puis la grosse boucane qui sort après, puis ça peut paraître quand même un peu mal, mais bon, c'est quand même la bonne technique. Puis si tu le fais de cette façon-là, puis pour X raison, tu mets une vidéo toi-même où tu te fais filmer, mais c'est bien fait, t'as rien à te reprocher.
Lynn avait quelque chose à ajouter? Là-dessus, en Ontario, ils ont fait ce qu'on est en train d'élaborer là, pour des formations sur l'euthanasie. Ils ont fait cet exercice-là l'année passée puis l'année d'avant. Il y a beaucoup de producteurs qui ont participé à ces ateliers-là, puis ils ont fait des vidéos, puis on a discuté avec eux. Puis cet enjeu-là, il existe aussi pour l'euthanasie parce que c'est vrai que c'est des images qui sont un peu délicates. Mais là, c'est la façon de gérer ces outils-là, pas nécessairement justement des envoyer sur Facebook où là, tu n'as plus aucun contrôle sur la gestion du message, mais il y a peut-être dans des contextes de formation la possibilité d'utiliser un outil vidéo qui est, moi je trouve aussi là, que c'est comme souvent comme plus facile de bien comprendre la séquence des différents petits actes qui doivent être posés avec une image, puis le fait d'avoir en plus du vétérinaire, le producteur, je trouve que c'est intéressant là, au niveau là, du transfert de compétences. Puis souvent, on se sent plus en confiance quand c'est un producteur qui est là aussi. Fait que je pense que c'est quand même des outils, des idées là, qui peuvent être gardées tout en étant prudent sur la façon dont on va faire circuler ces outils-là. Là. Il y a certainement une façon de partager du vidéo ou quelque chose de façon sécuritaire, là, soit en écrivant dans des sous-titres, décrire la façon. Fait que si quelqu'un se ramasse avec la vidéo, il ne peut pas mettre ses écritures pour dire le chevrier est en train de brûler son animal à mort. Non. Mais bon, Lynn avait un commentaire aussi. Ben c'est dans la même ordre d'idée que Anne, là. Puis on avait vraiment soulevé au réseau de petits ruminants le défi de démontrer la façon de faire de façon efficace sans, mettons, intoxiquer les petits chevreaux, parce que la lido est quand même un produit qui est plus toxique chez les petits ruminants que chez la vache, fait que c'est un défi de plus. Donc, où on avait demandé, puis c'est pour ça que Marie-Charlène va nous donner la rencontre prochainement au réseau de petits ruminants. Puis pour ce qui est des produits et des insecticides, il faut savoir qu'il y a très peu de produits qui sont homologués actuellement chez la chèvre, avec des périodes de retrait reconnues, et pour le lait, pour la viande, ce qui devient un défi. Puis présentement, il y a quand même quelques personnes là, qui s'inquiètent de tout ça aussi. Puis présentement, on en parle beaucoup, il y a un comité pour ça à travers le Canada, mais sachant très bien qu'il y a très peu de médicaments utilisés ou bien, homologués chez la chèvre, ça nous rend quand même le rôle un peu plus difficile d'établir les périodes de retrait, parce que c'est notre responsabilité quand on les utilise hors homologation. Merci, Lynn. Moi, j'avais peut-être une question qui s'adresse à tous les producteurs là, qui sont présents aujourd'hui. On a parlé d'écornage beaucoup, mais en fait, ma question, ce serait plutôt de savoir de quoi vous auriez besoin pour faciliter l'adoption générale là, de ces pratiques-là en bien-être sur vos entreprises. Qu'est-ce que l'industrie peut faire pour vous aider? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des idées. On est quand même plusieurs personnes sur une table de concertation ou sur d'autres instances comme ça qui cherchent toujours à aider les producteurs. Donc, je vois Christian qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est la même main que tantôt. C'est de la vieille main. La vieille main. Pascal, d'abord, c'est-tu la vieille main ou... Non, c'est une nouvelle main. OK. Je dirais que tu demandes qu'est-ce qui pourrait nous aider. Moi, je sais que ton petit aide-mémoire sur l'alimentation des chevreaux, là, qui est un two-pager, là, qui spinne bien sur un babillard, je l'ai consulté régulièrement. Fait que ce genre d'outil-là pourrait peut-être être une pratique à avoir. Tu sais, qu'on ait un aide-mémoire sur les étapes clés pour faire un bon brûlage de bourgeons ou pour faire une bonne euthanasie, là. Combiné avec les recommandations du code, là, qu'on fait ça juste après avoir été bien formé avec un vet et tout, là.
tu parles, toi, du guide d'élevage, là, de la chevrette laitière, c'est ça? Oui. OK, mais de faire des outils qui ressemblent un peu à ça sur d'autres sujets? Oui, c'est ça. Parfait. C'est sur des activités qu'on fait quand même à répétition. Puis des fois, de revoir les étapes, ben, tu sais, c'est un document utile, je trouve. Parfait, merci. Il y a, je sais que l'Ontario a quand même un peu plus de documentation sur ces affaires-là. L'écornage et l'euthanasie, entre autres. Là. J'en ai vu à travers les réunions, les rencontres qu'on a eues. Je ne suis pas sûr d'où les trouver, là, mais il y a certainement moyen de trouver. Ça va être en anglais, là, mais ça pourrait servir de base. En tout cas, j'avais trouvé qu'il était bien fait. Je pourrais me porter volontaire pour le traduire si c'était des documents qui étaient assez courts. Ouais. Ou le montant français, là. J'ai vu tantôt le commentaire de Louise là, qui disait qu'il y a des formations pratiques là, sur ces deux sujets-là, entre autres. Ce mm-hmm. Serait sûrement efficace là, d'assister en vrai à des écornages ou à des euthanasies, là, soit avec des animaux morts ou vifs. Là. Mais... peut-être que là, c'est pas encore tout à fait le moment, là, mais éventuellement, il y aurait peut-être moyen de faire ça. Est-ce que Jean-Philippe, tu peux me laisser repartager mon écran, s'il te plaît? Oui, excuse, je vais enlever ça. Ça s'en vient. OK. Dans le fond, tantôt, on parlait là, d'un endroit où est-ce qu'on peut participer à la période de commentaires publics pour le code de pratique. J'ai mis, je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai mis le lien, en fait, là, qui mène vers... qui mène à la page où on peut cliquer sur le sondage. Donc, je vous invite à le faire chacun individuellement, d'aller vraiment cliquer ici puis de bien remplir le sondage là, pour donner vos commentaires sur le code de pratique. Ça va justement aider les discussions futures là, du comité pour voir s'ils ont des choses qu'ils veulent ajouter, des choses qui vont changer, enlever. J'invite tout le monde là, à aller cliquer sur le lien ici, puis après ça, dans le carré rouge ici, de cliquer pour remplir le sondage. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres interventions, il est pas mal 15 heures. C'est l'heure qu'on avait dit qu'on allait terminer. Y a-t-il des gens qui ont la main levée? Catherine? Oui, salut Caroline. Moi, j'ai juste un commentaire. Je trouve que ça va être un document, mais que ça soit complété, ça va être un document qui va être super facile à référencer pour tous les groupes de discussion chèvres Facebook, là. Tu sais, qui dit, bon, j'ai deux chèvres, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, quel genre d'installation ils devraient avoir, combien d'eau ça boit. Donc, tu sais, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de référer à ce document-là des gens qui demandent des conseils sur Facebook. Donc, si tout le monde est là, qui est là aujourd'hui, peut utiliser ce document-là et le référer. Moi, j'étais assise à cette table-là avec Jean-Philippe, puis pour moi aussi, c'était la première fois que j'avais des contacts avec le conseil, ce conseil canadien-là, puis que j'ai lu le code de pratique pour la première fois, puis j'ai trouvé que c'est quand même un outil extraordinaire là, de référence pour l'élevage de la chèvre. Donc, c'est quand même assez positif là, l'exercice qui s'est fait là et qui va se faire encore pendant plusieurs mois jusqu'à temps qu'on ait la version finale. C'est juste ça que je voulais dire. Merci, Catherine. Donc, vous avez jusqu'au 22 février pour aller mettre vos commentaires. Je vous invite à le faire d'ici là, de bien regarder tout le document. C'est un long document, mais Jean-Philippe nous en a fait déjà un bon résumé.
Alors, s'il n'y a personne d'autre qui avait un commentaire, je vais vous remercier à tout le monde de votre participation. Je vais remercier spécialement Jean-Philippe là, d'avoir partagé avec nous autres toutes ces belles informations intéressantes-là. Donc, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tout le monde une bonne journée. Parfait, merci. Merci.